salut tout le monde, c'est Luxi, vous parle pour une nouvelle vidéo sur ce genre avec Vincicode, bonjour. Quelle est cette intro? Bonjour. Je ne sais pas, c'est la troisième fois qu'on dit. C'est la troisième fois qu'on dit bonjour. Donc sur Super Smash Bros Brawl, on s'est dit qu'on allait faire le mode histoire une troisième fois parce que ça a pas marché deux fois, c'était cool. Options. Très très cool. Options. 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 Je avec la manette. Options. Voilà. Et voilà. Donc on va faire le mode histoire en coop, en normal parce que... Sur voilà. Émissary des subspèces. Des subspèces. Alors on a beaucoup de playthroughs qui vont arriver sur nos deux chaînes. Hein, effectivement, donc... parce que surtout ce playthrough n'était pas vraiment prévu, mais j'ai vu... ça fonctionne, bah autant jouer. Voilà. Et puisque les personnages ne parlent pas dans le jeu, on va pouvoir parler sur les cinématiques, donc ça va être cool. Cool. Donc on s'est décidé de... On a décidé. Mm-hmm. On a décidé. Qu'on allait faire un walkthrough complet sur les deux trains. Oui aussi, oui. Et ensuite, je sais pas, peut-être des petites vidéos spéciales sur Warcraft. Voilà, on verra après. Tant qu'il est chez moi, justement, j'en profite. Et donc, on prend Kirby, pas Mario pour l'instant. Kirby parce que... Power. What the... Ah non, et donc, je réexplique au cas où, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça marche, ça a pas marché. Super Smash Bros. Brawl, qu'est-ce que c'est? C'est... un mélange de tous les héros de Nintendo, que ce soit Mario, Kirby, tout ça, plein d'autres, mais je spoil pas. Voilà. On l'a vu Peach et Zelda tout à l'heure par exemple. C'est déjà un pas mal un spoil. The fuck, je suis tombé tout seul. Je vais prendre ça magiquement. Oui. Je vais le faire pousser jusqu'à... J'essaye. Hein. C'est cool, c'est cool. Oui. Oui. Non. Oui. Ah bah en fait, c'est... What the fuck. Voilà, je suis mort avec lui. C'était pour le suicide, c'était pour la beauté. Ah oui, pour ceux qui savent pas, Vascol a aussi fait un let's play dessus avec Akila. Je faisais un let's play dessus. Oui, voilà. Donc là, je continue avec toi, donc ça tombe bien. C'est une magie. Et donc là, on découvre Pete, un autre personnage de Nintendo. Et un on autre voit caractère. Le combat. Un autre caractère. Trop d'anglais dans ce monde, c'est incroyable. Et donc là, on a battu Mario parce qu'on a jamais Kirby. Si on avait joué Mario, on a battu Kirby et bon. Voilà. Magiquement. Et on fait le Nakama Power. Ouais. L'amitié avant tout. Je me suis dit oui. Que avec mon argent que j'ai gagné là, je vais prendre un Elgato. Oui. Oh mon dieu. Cet épisode va s'appeler Epic Révélation. Voilà, c'est juste pour Epic Révélation. Parce que en fait j'ai déjà une capture game card mais c'est bof. Je préfère elle filme pas en HD donc je préfère avoir un Elgato. Ouais, c'est vrai qu'il est bien quoi. Et donc là, les premiers ennemis du jeu qui ont été créés que pour ce jeu, qui ne viennent d'aucun autre jeu. J'ai dit jeu au moins trois fois dans une phrase. Et Zelda et Peach. J'espère que la manette va pas nous lâcher encore une fois. Je l'espère. Oui. Donc je Magie. Prends Mario. Et je prends Kirby. Ah et oui, merde. Et ensuite, en fait, c'est moi qui vais essayer de l'ordre. On aura des vies par rapport au personnage. Je veux Zelda, moi. Si ça en premier pas. Ouais. Mais attention, ça va être dans l'ordre. Le premier qui meurt aura Zelda. Bon, c'est pas un concours non plus, mais bon. Ouais. Et donc, il s'appelle des Primides. On peut voir le nombre qu'il y a en haut. Par contre, il y a des ennemis que je déteste. J'avais déjà joué avec Akila. J'ai déjà arrivé loin. Je crois que j'avais dépassé quelque chose. Enfin, un niveau. Que je vais pas vous dire dessus. Et voilà, il y a ces putains de. Ce nuage, oui. Scream. Ils deviennent méchants après, mais c'est pas grave. Je les déteste. I hate them. Alors, moi, j'ai pas trop grand chose contre Mario. Je l'aime bien. C'est juste qu'il a pas des techniques très. Utile, je trouve. Voilà. J'ai une méga bombe de la mort, attention. Oh shit! Attention! J'ai mis cette bombe parce que. Ça fait que Viga! Il a esquivé la bombe! Carapace! Voilà. Et une beau bombe, tiens. Ouh, c'est bien. Ah bah d'accord. Alors qu'est-ce qu'il peut faire dans le plan? C'est des boules de feu, utilise une cape qui renvoie les objets et retourne les ennemis. J'aurais bougé, attends. Ça fait un peu de dégâts, mais c'est pas trop ça non plus. Oh shit! Il a aussi une technique. De jet d'eau qui était dans Mario Sunshine, je crois, et qui peut juste genre laisser le bloc comme ça, mais c'est ça juste pour enlever les ennemis. Je pense que c'est juste pour pousser les ennemis. Ouais, voilà, c'est pour les empêcher de revenir sur le niveau. Voilà, le premier ministre. Ministre antique. Ministre antique, premier ministre, ouais. Premier ministre, oui. Le premier big face. Bon, pas grave. Du coup, il lâche une bombe, il y a des robots. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, pas qu'ils se déce. Et moi, j'avais aussi fait le jeu il y a longtemps. Quand j'avais pris émulateur. Ouais. En solo. Bon. Du coup, il y a une bombe, il va l'exploser, on va tous mourir, c'est cool. Il s'en va. Que je peux faire des playthroughs sur des jeux d'émulateur, mais il faut que je règle l'émulation parce que les FPS, ça, je suis trop quand je filme. C'est ça le truc. C'est en slow motion en plus, gars.
Et du coup là, il y a eu un boulet de canon et donc, puis le plan piranha. Donc, le premier boss du jeu. Voilà. Le plus faible en plus. Pauvre Kirby, il est tout seul contre ça. Bah, heureusement, on est deux. Oh shit. Oh shit. Alors. Je préfère libérer Zelda. Et oui, parce que dans Aquila, sans fait exprès, il a libéré Peach et je voulais Zelda avec moi. Ok, bah let's go. Parce que, bon, là c'est un spoil aussi, mais c'est pas grave. Il faut savoir qu'on ne peut sauver qu'une princesse en cassant une des cages. Et non, bah, on va dire Zelda. Me too. Essaye de venir avec moi sur le côté de Zelda. Où est-ce que t'es en fait? J'ai fait comme Aquila. Oh non, t'as confondu. Ouais. Bon, bah là, Kirby est vraiment tout seul. Shit. Bon, allez. Désolé. Putain, mais va arrêter de sauter. C'est le plus gros epic fail. C'est pas grave, c'est pas grave. Fallait bien un petit epic fail. Oh shit. Vie. Oh, pour la fois, j'ai plus de vie. Bon, c'est bon, là. Elle a. Voilà. Non, it's no use. Yes, it's use. And I dancing. Oui, oui. Bon, bah, désolé pour ces epic fail de ma part. Aïe. C'était pas grave, c'est pas grave. On a quand même gagné. Voilà, là, ça a libéré. On a sauvé Zelda. C'est parfait. Et c'est pourquoi j'ai pris Zelda. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante pour les autres missions. C'est vrai que je préfère Zelda par rapport à Peach quand même. Peach a des attaques un peu bizarres parfois. En plus, bon. Elle est lente, elle. Oh shit. Ah, la pauvre Peach. Bon. Désolé. C'était le choix de Vinci. Oh, oh shit. Et du coup, c'est un canon qui transforme les gens en statues. Eh oui. Enfin, en trophée plutôt. En trophée Smash Bros. Méchant Wario, méchant! Du coup, il fait un saut de 30 000 km d'altitude. Oh shit! Nous avons oublié cela! Mais heureusement. L'étoile magique de Kirby. On part avec Zelda. Et donc, cette bombe a aspiré le stade en entier. Tranquillement! Et voilà. Bon, on a eu quelques pièces, voilà, on a fait un score, tout ça c'est magique. Et l'équipe compte maintenant Kirby et Zelda. Je pense qu'on doit sauvegarder. Oui, oui, il faut mieux sauvegarder. Alors ça, c'est un fichier très spoilant. Bon, bah à la limite, vous le verrez tout le temps. C'est dommage. On y a la carte. Et on est parti pour le Royaume Céleste. Avec... Vous allez comprendre pourquoi on dit ça. C'est normal. Alors ça, par contre, je sais pas c'est quel jeu. Kid Icarus. Pit et elle, c'est pas Lutena, c'est la déesse. Et elle donne son arme à Pit, ouais. Tranquillement. Par contre, je crois que ce Pit-là, il est par rapport à un vieux Kid Icarus. Enfin, quand je dis vieux, c'est un jeu il y a longtemps. Ouais. Parce qu'il y avait Kid Icarus Uprising qui était sorti en 2011, je crois. Et Pit a des nouveaux moves, etc. Il fait plus aïe 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 aïe. Genre sur 3DS, il fait plus 3 aïe aïe aïe. Donc, je fais, bon, c'est bizarre. Et c'est parti. Musique est bien aussi en plus. Oh shit. Bon, toi, il y a du lag. Hein. Là, il y a du lag. L'ordinateur, il comprend plus. Oui. Let's go. Oh shit. C'est vrai. Je suis le jeune. Bon. Oui, faut pas oublier. Fuck. Merde, il est en train de me faire voler en même temps. Un trophy. Oh non. C'est eux qui peut faire ça, Pete. D'accord. Ah, t'as une touche pour revenir vers moi, je pense. J'ai fait, justement. Ah, d'accord, c'est possible. Faudra qu'on se souvienne de ça, parce que l'écran me suit que moi, je crois, en fait. Souvent. Donc il faut qu'on reste souvent à côté. Trophies. Ça ah oui, les chose, portes. Mais... Les bugs de portes avec Aquila. Oh mon dieu. Je sais pas, il y a que le jour 1 qui peut les franchir, non? Je sais pas, on a essayé nous deux, on faisait les touches. Le mec, j'aime trop. J'ai dit, c'est le joystick. Il y a plus les touches directionnelles. Oh mon dieu. Ah ouais, pas les touches directionnelles. Ouf. Le vaisseau d'un ennemi dans Kirby. Le mec en mode, the fuck is this? Oh shit. Bah alors, Pete, on joue pas à Kirby. Je sais pas si c'est avec qui ce vaisseau. Ah. Et encore, c'est ennemis. Dans les nuages roses. Tranquille. Bon. Ok. Time to fight. Ok. Faites pause. Faut faire tout parce que. Ah, j'ai pris le petit champignon, merde! Ah oui! Aïe 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 aïe! Oh shit! Aïe 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 aïe! What the fuck? Ah! Bon, il est tombé. Oui! Alors, qu'est-ce qu'il y a comme attaque, Pete? L'arc. L'arc, c'est. C'est comment ça en bouge en fait. Ouais. Il est pas touché. Je crois qu'on peut changer de direction, voilà. Ouais. Donc je prends ça. Oh shit!
Un méchant. Oh shit, non! Un méchant, très très méchant. Putain, j'ai raté, voilà. Une bo. Bon, d'accord. Très très méchant. Alors, I think. Voilà, peut-être falloir. Oh shit, voilà. On a fait tout. Sidi! Attention! Faudra donc essayer de trouver des vies aussi. A lightsaber. Même si musique en plus. Si jamais lui il vient, il va. Ouais, on s'en fout. On va pas non plus rester sur tous les ennemis. Parce que sinon, tant de lag de bug, désolé. Aïe. Parce que sinon, on va prendre trop de temps. Parce que parfois, il y a beaucoup d'ennemis. Et ça, c'est que le début. Ah, moi, j'en ai chié, je me suis vu en solo. Allez, let's go. Oh, oh shit. Le faucheur. Ou le faussaire, on s'en fout. Ah, il ouais, m'a eu. Ah, là, oui, il a. Oui, de la nourriture. Le mec, mange tout. <Moi, je> Let's ah, go! Ouais, ouais, c'est que je vois, t'as raison. Ok. You can see Mario. Can see Mario, yes. Ouais. Oh mon dieu! C'est ça, j'ai pas compris par contre. J'ai expliqué ça en plus avec Akira. Ils se regardent juste dans les yeux. Oui! Et ah, ils sont. Nakama! Nakama, bien sûr! Enfin, je crois que normalement, Pete est un gros fan de Mario. Donc apparemment, ils se connaissent, on va dire. Moi, je vais prendre Mario. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore assez joué avec lui. Non, c'était goutte de feu. Oh putain, ces ennemis aussi, ils sont chiants là. Bon, on va pas attendre. Oh shit. Si jamais, oublie pas, t'es trop loin, tu tapes sur le bouton. Je sais pas c'est quel bouton d'ailleurs. Pour bloqué. Ah oui, c'est tous les centres. Oh shit. Shit. Voilà. Surtout qu'on. What the fuck, l'ennemi avec nos dents. What the fuck. Bah d'accord. Très étrange finalement. Oui. Ouais, parce qu'il a pas la même voix normalement dans le principe. Oh shit! Oh, je pense pas qu'on peut les tuer donc. Non, on faut peut juste pas. Esquiver. Wouhou! Shit! Yahoo. Oh fuck! Yaourt! Yaourt! Bon, what the bubble bear? De toute façon, ça sert pas à grand chose de tous les tuer à part le score. Même. Ah! Aouh! Oh, marteau, il est un peu dans le jeu. Mais je sais pourquoi, peut-être que j'ai du lag sur mon ordi. Pourquoi tant de haine? Parce que j'ai. Quand j'ai vu démarrer, quand t'as démarré le jeu là, ouais. J'ai vu c'était écrit Super Smash Bros. 64 bits. Et le mien, je crois que c'était 32. 32. Ah, ok. Et mon système, c'est 64, c'est pour ça. C'est un troll. Donc, fais attention quand je télécharge mes ROM. Ah, mon tout coin DS. Ah, ouais. Je crois que c'est un bonus, t'es là. Ouais, je crois. Fais vite. Gaspiré de temps. Let's see what's up. Et a trophy of Pepi, je crois. Ah oui, c'est. Bah, comment on fait pour monter? Ah, ouais. Juste comme ça, ouais. Oh shit. Non, mais quand on fait les ailes bleues là. Bah, après, tu sautes, je crois que c'est tout. Tu vas vers le haut. Au limite. Ouais, voilà. Ah, ouais, ok. Non! Non! Appuie sur le bouton magique. Ah, c'est bon. Ah, c'est. Un trophy, what the fuck? Oui! Le mec fait des pas chassés. I hate those. Oh shit. Let's run like a boss. Ouais. Oh non. Sauf que dans les autres faut s'arrêter mais ça c'est pas grave. De toute façon on a pas dit qu'on voulait non plus. On avait peur des ennemis. They can't win against Nakama Power. Ouais, comme une nuagia. Soleil. Je pense qu'en fait, il y aura tellement de bugs de son qu'il faudra comprendre. Oui, soleil! Ça, c'est une vignette, je crois. Shit. Oh shit! Not this thing! Il me fait trop chier sur 3DS, voilà, meurt. Oh, c'est des magies. C'est des. Ah, oui, ce truc. Non, tu veux venir avec moi, je crois. Ouais, si tu veux que moi que je le prenne, parce que sinon, tu vas aller trop loin après. Et c'est la porte dorée du niveau final. Incroyable. Et donc, là, on voit le vaisseau partir. Et on voit un autre vaisseau. Mais qui est-ce? Mystère, mystère, mystère. Donc, tâche réussie, on a eu Poussifeu, Balder, Pepi, Cousette et Dr. Eggman. Sonic Heroes. Ah oui, on a eu Sonic Heroes comme musique aussi. Et le titre de... On a eu Mario, Pete. On va se regarder, vous allez voir le vilain fichier. Fuck. Je crois que c'est celle-là. Ah merde, bon, oui. C'était celui-là. La merde de nuage. Juste avant de revenir à la carte, un tout petit instant parce que j'ai envie de voir un truc. Ça fait combien de temps qu'il enregistre en fait? Peut-être qu'on peut voir si je fais juste ça.
15 minutes. On est à 15 minutes. Nous avons le temps. Donc on va pour la mer de nuages. Et on retrouve Kirby et Zelda. Avec le verso qui... Le verso. Le verso de la feuille papier, bien sûr. Hein. Le verso qui les poursuit. What the fuck. J'ai aimé la façon d'y mettre le choix des personnages, en fait. Bah, je vais mettre ces Zelda. Pour voir un peu. D'accord. Même tout. Pas de problème. Let's go. Let's do this shit. Alors, qu'est-ce qu'elle a déjà, elle? Ok, là, ce truc-là. On verra après, de toute façon. C'est vrai que Kirby est encore plus rapide. Ce truc pour téléporter que j'aime bien. Voilà. Donc ça servait à beaucoup de choses de faire tout ça finalement. Ouais. Le vaisseau. Shit. Oh non. Et donc on va pouvoir choisir, bah voilà, comme ça, et c'est bon. Ok. Parce que j'ai rien fait encore avec elle, donc Et on est aussi dans les nuages. Chose, what the fuck. Oui, effectivement. Ah oui, c'est ça, c'est cette technique là qu'on peut diriger et tout. Oh putain, Gubby. Oui, super rapide en fait. Oui, j'ai dit qu'on arrêterait pas sur les ennemis, mais bon. Oh shit. Fuck. Non. Oh fuck. Non mais je devais taper celui-là, non. Bon bah c'est oh, un troll. Oh y'a rien ici, mais... Attends. Oh oui. Life. Et on a 3 billes, on peut voir sur le côté gauche. On s'en fout, lui en haut. Ah oui, lui, il achète un truc, c'est chiant. Ah ouais, il faut que je... C'est un peu chiant avec le joystick. You can eat some, sure. Oh shit. Des poisscueils qui viennent de... Qui vient, je crois aussi. Des poissons volants. Oh, oh, j'aime pas lui, il est chiant. Pourquoi on l'a réveillé, bordel? Vent de Faror! Je crois que ça s'appelle comme ça pour ma tech. Oh, oh mon dieu, ah, il y a 72%. Voilà. Tomate! Je suis en vie, je ne sais pas comment. C'est une magie. On va pouvoir aussi manger des choses pour régénérer notre vie. Je sais même Kirby en plus, manger des choses pour régénérer la vie en plus. Allez, chinet. Une vignette, c'est pas grave. Les feuilles, je crois que c'est des vignettes pour améliorer les persos, mais c'est pas. Ouais. Si on est fort déjà, ça devrait aller. Que je ne pense pas, mais bon, c'est pas grave. You're gonna see. Joli. Ah, mais il y a des œufs. Ah, merde. Eat some. Ah, une pomme. Oh shit. Oh shit. Oh, il y a deux en plus. Let's descendre. Putain, mais non, mais. En fait, parfois, mon joystick me fait sauter aussi en même temps. Mettre un petit peu fraudé. Ah. Oh. Sorry. Voilà. Bon, let's go. On est revenu sur la terre ferme. Il y a encore plein de nuages. Je ne sais pas pourquoi. Oh non, pas eux. Fuck. Et comme c'est shit. Oh shit. Ah, oh shit. Bon bah là c'est une arène fermée de toute façon. Ah putain, je les aime pas aussi. Ils sont chiants. Mais bon, j'ai détruit le portail. Cool. Oh, il y a un truc là-bas. Attends, il y a aussi. Il y a, bah je sais pas où. Ouais, il faut continuer à gauche donc. Tant qu'on casse pas ce qui est par terre. Devinez pas voir. Oh fuck. Yeah. Il y a un portail en bas là nous. Je crois. Oh, mais il y a des c'est surtout des rochers. Raté. Oh. Oh shit, attention. Portail. Oh mon. Là c'est le lag, là il y a plein de trucs, l'ordi comprend plus rien. Aouh. Cours. Cool. Let's go. C'est ce qu'on est plus. Oh ah, putain si, j'ai son dos. Faut les tuer quand même. Ah j'ai son. Ah oui merde. C'est bon. Faut tuer tout le monde. Ouais, faut tuer tout le monde. Ah c'est bon. Ah, c'est bon. Oh shit. Let's go. Ah like a boss. Oh shit. Oui. Ah, non, Kirby. Oh, oh cool. Bouclier. What the fuck. Oh non. Oh, oh non. Oh, oh oui. Il va bah, lui il est bien mais je peux avoir des trophées en fait. Faut le lancer sur un ennemi. Ouais. Et après ça le fait en trophée. Ah voilà lui. Je sais pas si ça va le. Ah non ça marche pas. Dieu. Sorry. Bon bah. Je crois que c'est un epic fail pour nous. Ah punaise, heureusement. On a d'autres vies.
magique. Voilà. La porte dorée, en fait. Ah, Golade dans Zelda. Stage réussi. Pas de cinématique, rien. Hype de Fire Emblem. Et un tchomp de même partie 8, pourquoi pas. Donc, bah voilà. Shit, là, et voilà. Les données magiques. La jungle. On regarde les cartes. Voyons voir à combien nous en sommes. Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on a pris un tas de temps? Non mais, voilà. Voilà. 20 minutes. Ouais, it's gonna be good. Ah bon, eh bien, première partie de Super Smash Bros. Bro, on a quand même fait 3 niveaux. Ouais. Bon, bah mal, je pense pas qu'on ira aussi vite. On verra qu'est-ce que c'est que la jungle après, même si on sait déjà, nous, bien sûr. On verra qu'est-ce que c'est. Et donc, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à mettre un commentaire pour dire que vous allez voir après. On fera peut-être aussi d'autres trucs, parce qu'il y a plein de modes quand même dans le jeu. Hein. Il y a un tas de trucs à faire. Et bon, on nous verra sur d'autres let's play, sur la chaîne de VinciCode. Oui. Mettre un tas de pouces verts aussi. Allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et donc, on se retrouve la prochaine fois. C'est vraiment... magique. À la prochaine tout le monde.